L'ancienne secrétaire de Kate Middleton a eu une tendre pensée pour la duchesse de Cambridge à la naissance de son enfant. Si Rebecca Priestley ne travaille plus pour Kate Middleton, elle n'oublie pas la duchesse de Cambridge. Lorsqu'elle a donné naissance à son premier enfant, son ancienne secrétaire n'a pas oublié de lui adresser un petit clin d'œil. Une attention qui la fera certainement sourire. En effet, Rebecca Priestley et son époux Adam ont appelé leur bébé William Michael Alexander. William, qui n'est autre que le prénom du mari de Kate, le prince William. Alexander est une référence au papa du bébé, qui a le même second prénom. Toutefois, le petit garçon se fera appeler Billy par son entourage. Rebecca Priestley a travaillé pour Kate Middleton de 2012 à 2017. Elle s'occupait de ses engagements royaux et briefait la duchesse sur les personnes qu'elle allait rencontrer, voyageant à travers le monde entier à ses côtés, de l'Australie à la Nouvelle-Zélande en passant par le Canada. En tout, elle a assuré 10 années de bons et loyaux services à la famille royale britannique, travaillant à l'origine avec le prince Harry. En mai 2018, elle était au mariage de Meghan et Harry au château de Windsor, apparaissant dans une somptueuse robe rouge face aux photographes au bras de son mari.